Cet après-midi sous le soleil de Val-Morel, voilà. Donc, nous sommes logés à la station de Doucy, qui est vraiment à 10 minutes de la grande station Val-Morel. Du coup, on a décidé de venir la visiter cet après-midi. Et c'est vraiment très joli. La papa Boucocase, où t'étais? J'ai acheté mon magnète pour ma petite collection. Mon père, il fait collection de magnètes partout où il va. Donc tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Ça y est. Val-Morel sur le radiateur. Bon, là, on voit toute la neige qui fond. Du coup, ça coule. C'est incroyable. Tout est en train de fondre. Forcément, il fait 25 degrés là. Donc, voilà. Fin de saison. Alors, on a trouvé un manège. Et Gabin, il a pris là. T'es prêt? Tu vas rouler? Et mon Gabinou, coucou! Bon, regardez le fromage que Greg a acheté tout à l'heure à Val-Morel. Camorpion. Bah, c'est un fin. Hello! On se retrouve pour la dernière matinée de ski. On vient de monter au télésiège. C'est le dernier cours pour Gabin. On veut des écrans. Au piu. Donc voilà, c'est le dernier cours. Et normalement, il aura sa petite médaille après. Hein. Si tu skis bien, tu auras ta petite médaille. Bon, il fait quand même encore super chaud. C'est un truc de fou. Il fait 25 degrés, je crois. Limite, enfin, on a même trop chaud. Nous, moi, j'avais prévu que des pulls, des thermiques, des sous-pulls thermiques, etc. Finalement, bah, je mets rien de tout ça parce que j'ai trop chaud. Donc là, j'ai juste une... J'ai ma combi de ski qui est pas trop épaisse, heureusement. Un petit gilet, une brassière, c'est tout. Parce que vraiment, il fait trop chaud. C'est... Et encore, là, il n'est que 9h30. Mais quand il approche 11h midi, c'est la canicule au ski, quoi. De toute façon, là, bah, on voit qu'il y a de moins en moins de neige. Parce que tout fond. Donc là, c'est vraiment les derniers jours. Cette motte là dans le ravin, c'est Greg qui est tombé tout à l'heure. J'ai hurlé quand je l'ai vu tomber dans le ravin, j'ai eu trop peur. Mais en fait, comme il y a beaucoup de neige, ça l'a stoppé direct. Mais en fait, ça fait flipper hein, quand on skie et qu'on tombe dans le ravin. Bon, et puis là, il y a papa qui vient de tomber aussi. Et allez, ma mère, elle est partie. Là, elle se débrouille bien. Elle ne tombe pas, franchement, elle gère. Ah, les papas. Je suis juste là, à côté de moi, j'en ai pas dans les grands sols. Ah. Vous voyez partir à gauche, je vais quand même laisser tomber. J'ai dû rentrer dedans. Le Gabin, lui, c'est Blanchot le lapin. Hey. Bravo, on peut l'applaudir. Hein. Regarde, on donne un petit carnet, plus la médaille. Bravo Gabin! Félicitations! Ouais! Bravo! Bravo! Après Joshua! Bon,
on vous retrouve fin d'après-midi, enfin il est quoi, 16h30, 17h presque. Cet après-midi, je ne suis pas allée skier. Greg est parti tout seul avec Mathéo et Gabin. Mathéo a fait un cours particulier, donc c'est son deuxième cours pour avoir, on pensait une étoile, mais là il vient d'envoyer un message. Il a eu sa deuxième étoile d'un coup. C'est un truc de fou. Franchement, Mathéo, il se débrouille comme un chef. Pourtant, c'était sa première fois au ski. Et on le voit, enfin, il est hyper à l'aise et tout, c'est un truc de fou. Il gère le ski, quoi. Et Gabin, il repartit skier aussi en même temps avec Greg. Donc là, ils sont en train de descendre, on va les chercher au télésiège. Et regardez ce qu'ils ont installé là pour les enfants. Donc là, il y a un petit château gonflable qui a été, une structure gonflable qui a été installée pour les enfants. Gabin va être comme un fou quand il va la voir. Et là les champions. Alors, deux étoiles. T'as été mon chéri? Oui. T'as été mon chéri? Oui. Alors, fais-nous voir tes médailles. Wow. Donc comme ça, deux étoiles. Du coup, t'as l'étoile numéro 1, l'étoile numéro 2. Super, félicitations. En plus, t'es tout bronzé. De rien. Hop, Gabin, un petit rehausseur. Et quoi? J'ai pas compris. Et la papy. J'ai acheté la première pour qu'il y ait la première. On va se manger une petite gaufre. Et les deux sont nés, hein. T'as même la deuxième. Ah ouais. La prochaine fois. La fierté des médailles. Bougez pas. Mets bien ta main bien plate comme ça. Bien plate, comme ça, Gabin. Ouvre pas. Voilà. On bouge pas. Donc Gabin, il a eu Blanchot le lapin. C'est la médaille juste au-dessus du piou-piou. J'avais déjà eu la médaille piou-piou. Et le niveau du dessus, c'est Blanchot. Prochain niveau, ce sera la... Ça faudra, c'est ouais, comment mais... Sifflotte la marmotte. Un petit cadre avec... Bon, ça y est. L'appart est rangé, la résidence, et on s'en va. On voit papy et Gabin qui attendent, et voilà, c'est parti. C'était vraiment un super séjour, l'appart était vraiment top, franchement, il y a énormément de place, donc voilà. C'était très très bien, et maintenant c'est parti pour 10 heures de route, bon, on va compter 12 avec les arrêts.